Bonjour à toutes, à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Darkest Tower. Donc nous sommes actuellement à l'épisode 3. Dans l'épisode précédent, on avait vu que l'Autriche-Hongrie avait adressé son ultimatum à la Serbie avait demandé de l'aide à la Russie avait accepté, mais malgré tout, l'Autriche-Hongrie a déclaré la guerre à la Serbie. L'Allemagne a demandé à lancer un ultimatum à la Russie pour qu'il enlève ses troupes de la frontière pour pas qu'il attaque son ennemi, son allié austro-hongrois. Et donc, l'Allemagne sera bientôt plongée dans la guerre. Nous sommes actuellement le 30 juillet 1914 et nous allons bientôt voir ce qui va se passer. En même temps, je compte quand même réimprimer ma monnaie une dernière fois pour quand même garder de l'argent dans les caisses de l'État. Ici, nous sommes à -1,42 en économie. J'aimerais bien que ça se restabilise. Donc, je risque de remettre de la production dans mes biens de consommation un peu plus tard. Bien. Alors, je peux désévaluer ma monnaie, faire la mobilisation partielle, mais ça ne m'intéresse pas car on a encore assez de manpower pour le moment. Ouais, bien assez. Il me faut encore 0,18 de main d'œuvre pour renforcer toutes mes unités au maximum. Et ah non, il faut 4,13 de main d'œuvre pour tout renforcer et je reçois quotidiennement 0,19 de main d'œuvre. Donc théoriquement, ça va assez vite aller. Voilà l'événement que j'attendais le plus. L'Allemagne vient de déclarer la guerre non seulement à la France mais également à la Belgique. Parce qu'il doit passer par le territoire belge pour pouvoir attaquer la France. Tout simplement parce que attaquer frontalement les forts français, c'est suicidaire. Du coup, il faut passer par le plat pays belge pour pouvoir contourner ses forteresses et arriver directement à Paris. Et le Luxembourg, bah, c'est pour passer aussi par là. Bon, ça, on a compris. Donc, voyons voir si je n'ai pas des informations sur ce qui est occupé à se passer. Alors, le 1er août 1914, l'Allemagne se mobilise et déclare la guerre à la Russie. Le 2 août 1914, l'ordre de mobilisation générale est placardé dans toute la France. Le 3 août 1914, les Parisiens apprennent que l'Allemagne a déclaré la guerre à la France parce qu'elle est une alliée de la Russie. 3 millions de Français sont mobilisés ainsi que 5 millions de Russes, 4 millions d'Allemands, 2 millions d'Autrichiens. La Légion étrangère et les troupes coloniales françaises partent d'Alger ou de Dakar dans des navires presque aussi chargés que les négriers d'antan. Ils affrontent la traversée vers un monde dont ils n'ont aucune idée. En effet, les Africains de ce temps-là sont pour la majorité des gens qui sont sous l'autorité de la France ou de la Grande-Bretagne, un peu de l'Italie, mais ça franchement pas beaucoup, et aussi un peu de l'Espagne. Donc ils partent d'Alger, donc Algérie ici, c'est la ville d'Alger qui est dans la province d'Algérie. Il faut pas chercher. Donc ils partent de là pour pouvoir arriver jusque dans les petites villes côtières ici pour pouvoir arriver jusque là-bas. Les Africains de ce temps-là n'ont jamais posé le pied en France et ne savent donc pas rien de la France. Ils n'ont jamais vu les bâtiments qu'il y a en France, ils n'ont jamais vu les autorités ainsi que les routes. Donc, j'en reviens... Ah ouais, voilà. Le 3 août 1914, les Allemands attaquent et ils misent sur une victoire fulgurante, une guerre courte. Donc, leur plan, c'est le plan Schlieffen, consiste à passer par la Belgique, donc passer par là, pour prendre Paris et déclarer et écraser la France avant que la Russie n'attaque à l'Est. Donc ils voulaient écraser cette partie-ci, donc avec la France, aller directement en France en passant par la Belgique, limite
ne pas s'occuper des plages françaises ni des plages belges et aller directement en France avant que la Russie n'arrive ici et s'attaque à la Prusse orientale. Donc, avant que la Russie attaque à l'est et oblige les Allemands à se battre sur deux fronts, la violation de la neutralité belge oblige. Non, qui a été créée après la défaite de Napoléon pour faire de cette zone un état tampon entre la France, l'Allemagne et l'Angleterre, entraîne une réaction immédiate de Londres qui déclare la guerre à l'Allemagne. Les généraux allemands estiment que les Anglais n'auront même pas le temps de débarquer. L'affaire belge ne devrait pas traîner, mais c'est sans compter sur le roi des Belges, Albert Ier, qui décide de se battre jusqu'au bout. Et aussi sans compter sur les trains blindés belges et leurs puissants forts armés de canons allemands. Les Allemands sont obligés d'amener des puissants canons Krupp qui tirent des projectiles de 900 kg pour abattre les forts. Pour ralentir les Allemands, les Belges rendent leurs voies ferrées inutilisables en précipitant leurs propres trains les uns contre les autres. Tout ça donne le temps à l'Empire britannique de se mobiliser en lançant une vaste campagne de recrutement, faisant passer leurs forces combattantes de 100 000 hommes à plus d'un million, auquel va s'ajouter le réservoir de l'Empire avec ses colonies. Donc les colonies britanniques s'étendaient du Canada jusqu'en Inde, dans ce coin-ci, donc du Pacifique jusqu'en Atlantique, en passant par l'Afrique. L'Afrique qui est fortement colonisée par les Britanniques. Ceci est un état fantoche britannique. Ici, ils en ont aussi un, mais je ne me souviens plus où il est. Donc, beaucoup de terrains sont pris par les Britanniques en ce moment-là. Les Français ont eux aussi un plan, le plan 17, résolument offensif, qui consiste, désolé, à reconquérir l'Alsace et la Lorraine. Donc, l'Alsace et la Lorraine qui sont ici, hein, c'est ces terrains-là. L'Alsace et la Lorraine, donc qui étaient à la base à la France. Quand Napoléon a perdu la guerre, ils ont été offerts à l'État prusse qui est devenu donc l'État allemand. Donc ainsi que de foncer sur Berlin. Donc ils comptaient passer par là et foncer directement sur Berlin. Berlin qui est quand même assez loin de la frontière. Leur premier objectif est de prendre Mulhouse, ce qu'ils arrivent à faire le 7 août 1914. 3 jours après, les Allemands vont reprendre Mulhouse et tirer sur la foule qui est accusée d'avoir commis des actes hostiles à l'encontre des soldats du Kaiser. Donc, nous allons laisser un peu tourner parce que là, il y a quand même pas mal de choses que j'ai expliquées. On est déjà au 10 août, hein, dans mes papiers, donc ça va pas se passer comme ça. Ils viennent donc de déclarer la guerre. Normalement, on va voir quelques activités dans pas trop longtemps sur le territoire belge et peut-être même sur le territoire ici. Alors, je peux déployer une unité navale qui vient d'arriver. Donc, je vais pouvoir le mettre dans un de mes nombreux ports. Je vais la mettre à Osaka dans mon cas. Et donc, il va constituer le premier de ma nouvelle flotte. Ici, je viens donc de libérer à peu près 2,1 d'efforts industriels, ce qui va aller rajouter de l'effort industriel dans ma nouvelle production d'infanterie. Normalement, ici, ça va augmenter dans pas longtemps. Enfin, j'espère. Allez, vas-y, me fais pas dire des conneries, s'il te plaît. Bon, bah, il faudra attendre un peu. Ah, voilà, il a augmenté à 49%, et du coup, à la place d'être en 1918, c'est en 1916 que l'armée sera construite. Pour éviter de prendre non plus trop de temps pour pouvoir créer les différents navires, ici, la classe Yamato, donc le Yamashiro, désolé, le Yamashiro qui est un cuirassé. Donc on va voir dans la classe des cuirassés, cuirassés comme celui-ci ou celui-là,
C'est lequel? C'est celui-ci. Donc, si j'en produis un aujourd'hui, il sera prêt en 1918. Celui qui est juste avant est prêt en 1917. Ce n'est pas un super gros gain. Du coup, nous allons tout simplement l'enlever de notre chaîne de production, ce qui va permettre de produire nos infanteries plus rapidement, car nous aurons besoin de beaucoup d'hommes pour pouvoir écraser la République de Chine, qui va commencer à vaciller au moment où tout va foutre le bordel en Europe. Voilà un événement que j'attendais. Donc Berlin s'est fait un peu avoir par les Japonais. Les Japonais qui étaient dans le temps très amis avec le Royaume-Uni, qui faisaient du commerce avec eux et qui avaient fait une pseudo-alliance. Donc au début de la guerre, dès le début, ils avaient déclaré la guerre à l'Allemagne en leur lançant un ultimatum. L'ultimatum, c'est tout simplement demander à l'Allemagne le contrôle de toutes ces îles du Pacifique, y compris le territoire allemand qui est contrôlé donc par l'Allemagne juste à côté de l'Australie et la province de Qingdao. Seulement, moi je sais déjà que ça ne portera pas ses fruits. Nous allons quand même faire l'ultimatum. Ça ne sert strictement à rien, mais bon, on verra bien. Envoyer l'ultimatum. Donc voilà, l'Allemagne reste muette et elle ne dit rien. Donc, ou bien je déclare la guerre à l'Allemagne et donc je fais une alliance avec le Royaume-Uni, donc je pourrais bien évidemment prendre toutes les terres qui sont dans ce coin-là, ou bien je recule et je fais passer l'instabilité à plus 5%. Moi, je serais assez tenté de lui déclarer la guerre. Le problème, c'est que mon ennemi pour l'instant, c'est la République de Chine. J'aimerais bien d'abord m'occuper de la République de Chine avant de devoir coloniser un peu partout. Donc, je vais reculer et refuser d'entrer en guerre contre l'Allemagne. Ce qui, évidemment, n'est pas dans le code d'honneur japonais, ce qui va donc me faire. Faire des. Comment dire? Me faire. Je sais plus quoi. Déshonorer, voilà. Ça déshonore notre nation et donc j'ai 5% de dissidence en plus. J'aimerais bien que la dissidence baisse un tout petit peu plus vite. Pour ça, il faudrait que j'augmente mes biens à la consommation. Seulement, je ne peux pas me permettre pour le moment de le faire. Tout simplement parce que ça nuirait mes efforts dans les autres branches. Ici, j'ai eu 21 de ravitaillement par jour, c'est très très bien. Nous allons donc continuer avec le play. J'aurais pas dû l'arrêter en fait. Donc, c'est assez dommage d'avoir 5%. Je le savais déjà, mais c'était pour vous montrer qu'il y avait moyen de le faire. Et franchement, si vous. Comptez vous mettre à dos l'Allemagne, il y a moyen de faire de très très chouettes trucs et de donc envahir toutes leurs îles, les avoir sous votre contrôle, ce qui peut vous permettre d'aller un peu partout si vous mettez des ports sur ces îles. En mettant des ports sur ces îles, vous pouvez aller très très loin et favoriser l'attaque des États-Unis pendant une autre guerre. Donc ici, l'Allemagne vient d'annexer le Luxembourg. Ils ont commencé leur offensive et ont attaqué donc le Luxembourg. Et nous avons un accord diplomatique avec la Grande-Bretagne. Ici, nous avons des statistiques avec l'évolution. Pour l'instant, on contrôle 12. 12. Je sais pas quoi. Je sais plus quoi. Mais bon, c'est pas grave. C'est sûrement les points stratégiques. Et ici, j'aimerais bien savoir les pertes. Le ratio donc des pertes. Perte, je sais pas lequel c'est. Historique des attaques nucléaires, il n'y en a pas encore, étant donné qu'on est loin de la bombe nucléaire. Bataille terrestre, on n'en a pas encore faite de notre côté. Ici, on a un accord diplomatique avec l'Autriche-Hongrie. On a des accords diplomatiques avec un peu tout le monde, en fait. Perte infligée par les airs, ouais, mais ça me. Comparaison des pertes subies.
Alors ça c'est génial hein, ce tableau, mais non. Comment on fait pour l'agrandir? Et ici c'est quoi? Comparaison des pertes infligées. Ça ne me va pas du tout ça. Je peux rien voir du tout. Bon bah c'est pas grave, hein, on va faire avec. On ne regardera pas et c'est tout. Donc pour l'instant nous sommes le 12 août. Est-ce que je pourrais dire un petit truc ou pas? J'ai un truc le 20 août. Mais bon. Là, ils ont déjà commencé à attaquer ou pas? Non, ils n'ont pas encore commencé à attaquer, ni d'un côté, ni de l'autre. Alors. Ben, je vais rien dire hein, pour l'instant, étant donné qu'ils n'ont pas encore attaqué. Normalement, le 12 août, ils étaient déjà censés se passer quelque chose, au moins du côté français, qui était censé récupérer le 7 août la Lorraine en attaquant Mulhouse, et après raté. Bon. Ici, ils ont enfin pris le fort de Liège et ont fait tomber la ville. Là, ils sont occupés à se répandre en Russie. Normalement, ce n'était pas possible pour le moment, parce qu'au début, ils avaient plutôt une ligne de défense avec l'Autriche-Hongrie et l'Allemagne sur la Russie, mais n'envoyaient pas de troupes. Il fallait attendre que l'Allemagne envoie leurs troupes jusqu'à Tannenberg et fasse le rouleau compresseur russe. Et ils allaient évidemment se faire détruire à ce moment-là. Ici, c'est l'inverse qui se passe, parce que justement, c'est un jeu, donc voilà. Je vous expliquerai lors d'un autre épisode comment fonctionne le rouleau compresseur russe et ce qui s'est passé à ce moment-là. Mais normalement, ils n'étaient pas censés avancer en premier, et c'était plutôt les Russes qui étaient censés avancer en premier. Donc, contrairement aux prévisions, l'armée russe envahit l'Allemagne et entre en Prusse orientale, donc ici, en passant par là et par là. Ils ont donc deux grosses armées de 200 000 hommes chacune qui envahissent la Prusse orientale. Et les civils fuient ce qu'ils appellent le rouleau compresseur russe. Malgré les mauvaises nouvelles du front de l'Est, le plan allemand, bien que retardé, est sur le point d'être réalisé. Les troupes allemandes ne sont plus qu'à 50 km de Paris. Donc ça, c'était normalement dans beaucoup plus tard, parce qu'ils ont quand même réussi à arriver jusqu'ici, à peu près, à Dieppe, je crois qu'ils étaient, ouais. Donc ils étaient à deux doigts de mettre à genoux la France, mais ils ont obliqué ici pour pouvoir encercler les forts et donc le gros de leur armée. Et donc la garnison de Paris, qui comptait 6 000 hommes, a pris les taxis parisiens pour pouvoir aller sur les flancs de l'armée allemande et donc les repousser. Donc théoriquement, les Russes étaient censés être les premiers à attaquer l'Allemagne et pas l'inverse. Donc ils étaient censés rentrer en Prusse orientale. Et leur avance semblait irrésistible aux yeux des Allemands. Et donc, ils ont envoyé deux généraux. Le général. Comment il s'appelait déjà? Allez, je me souviens plus. C'est le général Hindenburg qui sera secondé par le général Ludendorff, qui ont donc réalisé la sauvegarde de la Prusse orientale et la défense de Tannenberg en anéantissant les deux armées russes une par une, car elles étaient trop éloignées les uns des autres pour pouvoir se prêter main forte. Donc ça c'est une bonne chose de connu. Ici, je vais directement faire monter dans les bateaux mes troupes qui sont à Kyoto, et je les envoie dans la ville, enfin dans la région imprononçable ici, pour préparer mon attaque de l'espace de la Chine républicaine. Pour pouvoir faire attaquer la Chine républicaine, il me faut impérativement dissoudre le pacte de non-agression, car il faut attendre un certain temps avant que le pacte de non-agression soit effectivement enlevé et que donc je puisse attaquer la Chine. Ici, on peut voir que leur division d'infanterie diminue encore, ils sont plus qu'à 27 divisions d'infanterie. Je vais pouvoir donc faire une petite supériorité comparée aux troupes de mon ennemi. Donc ici, j'ai actuellement 9 divisions armées,
plus les 4 qui sont là, ça fait 13, plus les 3 qui sont là, ça fera 16. J'aurai 16 divisions au total qui attaqueront donc la Chine, alors que eux seront quand même un peu plus que nous. J'aimerais bien mettre là, mais bon, c'est pas grave. Alors, ici, le projet d'investissement dans les recherches nationales a abouti, et du coup, nous obtenons le plan pour la technologie intégration des porte-avions, ce qui me sera très utile étant donné que j'en ai un maintenant. Et je peux dire aussi que j'ai 10 d'infrastructures dans la Guangzhou machin chose. C'est où ça? C'est toujours intéressant de savoir où est-ce que vont les trucs. C'est ici. Donc ici, dans les terrains occupés, ben, j'ai un nouveau copain. Enfin, une infrastructure de 10 plus grande, normalement. Donc il est à 40 actuellement. Ou alors c'est censé augmenter, je sais pas. C'est bizarre. Normalement, il est censé augmenter de 10%. Ça devrait se faire petit à petit en fonction du temps. Mais bon, c'est pas grave. Soit à la limite, moi je m'en fous en fait. Donc, cette troupe est arrivée. Je vais envoyer ma flotte à Niigata pour pouvoir prendre les unités qui sont ici et les envoyer donc là. Ensuite, ça sera au tour d'Hiroshima et ensuite au tour de l'autre là. Et ça devrait être bon. Donc ici, voyons voir comment ça se passe au niveau des Russes et bah, des Allemands en général en fait. Donc les Russes dans ce jeu-ci vont se faire relativement bien repousser dès le début, ce qui n'était pas le cas dans la réalité. Donc ici, je vais pouvoir réinvestir dans mes recherches nationales, réimprimer la monnaie car j'en ai besoin. C'est très très dommage de faire ça comme ça, mais je n'ai pas trop le choix en réalité. Et donc voilà, j'ai pas eu vraiment le choix. Ça a normalement diminué un peu l'instabilité. Là, j'ai plutôt l'impression qu'elle augmente. Parce qu'avant, elle était à 5%, maintenant elle est à 6,93%. Je ne sais pas à quoi c'est dû. Mais ceci dit, on a quand même 60% du truc ici qui est fait. Parce que le porte-avions a été fini. Donc, on est revenu à 1915. Ce qui est bien. Le 13 décembre 1915, cette unité sera faite également. Ce qui est très très bien. Donc ici ça a quand même encore baissé, c'est assez dommage. Est-ce que les troupes sont toutes bien ravitaillées? Bon, le renfort, je vais le diminuer. Ça ici, il faut que je le maintienne. Enfin, non, pas pour l'instant. Je sais pas quoi maintenir. Je vais maintenir ça, ça et ça. Ça, je vais enlever le renfort, je vais le mettre à 1,1. Enfin non, je vais le laisser à 1 plutôt, ça sera mieux. Comme ça, on n'aura pas un trop grand excédent à ce niveau-là, ça se fera en douceur et ça sera très bien. Bon, 1,3 c'est très bien aussi. Comme ça, on a plus dans les biens de consommation et donc normalement ça va augmenter, ce qui est très 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 bien. Voyons voir. Faut laisser ça. Production nationale 2,7 de supplément et donc on a 0,8 de plus par jour et 0,01 de dissidence en moins chaque jour. Ici, nous nous retrouvons donc à nouveau dans le même terrain. Notre flotte est arrivée à Niigata. Je vais pouvoir donc envoyer mes troupes petit à petit, ce qui est très 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 bien. Je ne sais pas de quoi c'est dû que la République de Chine se fasse détruire ses divisions. Moi personnellement, ça m'arrange bien pour le moment. Ça me permettra de faire des trucs en plus. Donc si je désévalue la monnaie, théoriquement, ce que c'est censé faire, c'est me donner une meilleure capacité industrielle, mais ça fera passer comment dire, l'instabilité nationale à plus 3%. Et ça serait fort regrettable.
Ici, il y a un truc qui est arrivé quelque part. Sûrement là. Elle est où ma flotte? Elle est là. D'accord. Donc, nous allons voir vite fait une dernière fois ce qui se passe en Europe. Ici, Arlon vient de tomber. Arlon qui est donc une province belge. Là, il y a l'Autriche-Hongrie qui est occupée à prendre du territoire russe. Donc ça, c'était contrôlé dès le début par l'Autriche, mais ceci, c'était russe. S'ils prennent ce terrain-là avec des forts dessus, donc pas beaucoup de forts, ça devrait aller. Et celui-ci, ils pourront faire une poche d'encerclement à ce niveau-là. S'il y a des unités ici et qu'ils prennent ces terrains, et ben la Russie aura perdu entièrement les unités qui se trouvaient sur ce terrain. Nous retournons donc vite fait notre côté, parce que les troupes ont dû arriver. Hein. Je vais donc redéployer ceci à Hiroshima. Ça, je n'ai pas envie de les avoir dans les pattes en même temps, donc je vais les mettre à Nagoya. Donc ici, il va assez vite arriver là. On est le 1er septembre, donc il s'est quand même passé quelques petits trucs. Et je crois que oui, je peux parler de ça parce que ça s'est passé le 20 août, donc autant y aller directement. À partir du 20 août 1914, l'armée russe progresse en Prusse orientale et semble invincible. La 8e armée allemande est en retraite. Son chef a été remplacé par le général Hindenburg, qui sera secondé par le général Ludendorff. Désolé. Car il s'est illustré dans la bataille de Belgique. Bon, pour l'instant, ici, on ne voit pas vraiment trop d'amélioration en Belgique, mais il s'est déjà passé certaines choses. Donc, théoriquement, la Russie était censée faire son offensive dans ce coin-là pour pouvoir aller à la bataille de Tannenberg. Donc, il y avait une armée russe de 200 000 hommes qui allait par ici et l'autre par là. Ils étaient beaucoup trop éloignés pour se soutenir les uns les autres, et du coup l'armée du général Ludendorff ainsi que du général Hindenburg est passée par là pour pouvoir encercler l'armée russe, la détruire et ensuite passer à la suivante en sauvant Tannenberg. C'est pour ça que Tannenberg était un des grands monuments, enfin ils ont fait un grand monument à la victoire allemande à Tannenberg, car c'est réellement ça qui les a sauvés. Malgré qu'ils étaient en nette infériorité numérique. Et donc ils ont détruit le rouleau compresseur russe. Après ça, le grand général, je crois que c'était le grand duc Nicolas de Russie, qui était donc l'un des proches parents de Nicolas II, le tsar de Russie, a décidé de maintenant faire passer les troupes russes par l'Autriche-Hongrie, car pour lui c'était l'Autriche-Hongrie le responsable de la guerre, et donc la victoire sur Berlin, Berlin devait passer par l'Autriche. C'est pour ça aussi qu'à mon avis on voit des trucs qui étaient normalement à l'Autriche-Hongrie sous les mains de la Russie. Donc voilà, nous allons arrêter cet épisode ici, j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire ou mettre un j'aime si ça vous a plu. Donc, au revoir à toutes, à tous, et à plus pour d'autres épisodes.